But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Fire could burn, you know what about it? Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très très bien, en tout cas moi ça va super, j'ai la patate. Et aujourd'hui on se retrouve sur Flight School pour une petite vidéo découverte du jeu. Jeu que je maîtrise absolument moyennement, très peu. Voilà, non, je galère, hein. c'est pas trop mon environnement natal, on va dire. Donc je galère un peu, mais au moins les amis, nous allons galérer ensemble. Et ouais, on galère ensemble, donc... Un jeu de simulation de pilotage d'avion, vous l'aurez compris, même plutôt école de pilotage, hein, si on s'en tient au titre. Et donc voilà, c'est justement ce qu'on va faire, on va apprendre à conduire des avions, à piloter des avions, non pas les conduire. Et à travers cela, on fera cela à travers la formation au pilotage disponible en bas à gauche du menu du jeu. On a des missions qu'on peut également effectuer et un mode de vol libre où là par contre on va pouvoir voilà, se faire un peu plaisir, tout ça. On peut choisir les avions, on peut choisir, je vais poursuivre un peu pour vous montrer, voilà, entre de nombreuses petites pistes de décollage, gros aéroports, vraiment des choses partout dans le monde entier, regardez-moi ça, et à chaque fois on zoome dans une région, on trouve plein de choses. Voilà, ça fait découvrir des paysages, tout ça, et c'est vraiment super, c'est basé sur des images satellites en partie, le jeu. Donc c'est un peu original, mais il y a de quoi s'amuser un peu. Alors, on peut faire la formation au pilotage. Il y a 3 écoles dans le monde qui vont pouvoir nous former à ça. Donc il y en a une en Angleterre, en Allemagne, une aux États-Unis. Alors c'est quelle en Arizona, voilà. Non, après on va aller en Angleterre parce que c'est quand même un pays d'aviateurs. Donc voilà, à l'école de pilotage de Waltham Flying Club, voilà. Et on va piloter un petit avion monomoteur. On va faire ensemble la petite première étape, le décollage. Après tout le reste, je le maîtrise absolument pas, le vol rectiligne en palier. Mais je joue à la manette, j'y arrive absolument pas à la manette. Je me dis c'est pourri. À la manette, c'est trop sec pour ça, j'ai l'impression. Mais bon, je galère un peu. Voilà, je me ferai peut-être aider. Je sais pas. Mais en tout cas, on va faire le décollage ensemble, les amis, parce que c'est le seul truc que j'arrive à faire pour l'instant. Donc voilà, et puis après, on ira s'amuser un peu en pilotage libre, voir ce qu'on arrive à faire. Si c'est possible, j'espère que c'est possible. Mais en théorie, il n'y a pas de problème. Et donc, vous allez voir, on a un coach qui nous explique ça quand on est dans le mode de jeu. Alors, il parle en anglais. Mais voilà, il parle assez clairement, c'est pas difficile à comprendre. Et sinon, vous avez les sous-titres en français qui vont s'afficher à gauche de votre écran. This is said to be the largest grass aerodrome in the UK. The expansive field and historic buildings make for a timeless flying experience, as you'll soon discover. C'est normal, j'ai un petit écran noir, hein, c'est parce que j'ai repassé mon jeu en plein écran. And the Piper Cub is the quintessential general aviation. Ouais, seulement il revient bien. I always tell my students, flying a cub is real flying. Pilots have been learning to fly in cubs. Ok, bon, on va le laisser comme ça, les amis. And that's what we'll be going up in today. This fantastic cub has been prepared and fueled for our flight. Why don't you hop in? Ok, donc on est avec notre instructeur à l'intérieur de notre petit avion. Alors lui, il est... Non, il est pas là. Bon, il nous explique juste. Ok, donc là, il va nous expliquer. Paramètres à suivre, la vitesse, l'altitude. Regardez, avec le joystick, j'ai du mal à être précis. Ok, donc ici, on aura la vitesse. Airspeed, assez logique, pas de problème là-dessus. Et on a les commandes verrouillées pour l'instant, mais on peut pas, on peut absolument rien toucher. Ah, c'est avec plaisir, vas-y démarre. Alors vous allez voir, c'est tout assez vraiment bien fait. C'est un jeu qui est beaucoup plus accessible que du FSX au niveau pilotage, compétences nécessaires, tout ça.
j'y connais absolument rien et je peux y aller. Voilà, le jeu va m'apprendre et on peut s'en sortir avec ça. Évidemment, c'est mieux si vous avez un joystick, mais moi, c'est pas mon cas. Ok, donc on va déplacer les ailerons donc avec le manche, donc c'est 7 qu'on a là, hop, gauche et droite. Cela permet d'agir sur le roulis de l'avion dans la direction de votre choix, c'est très simple, etc. Remarquez que le paysage n'est pas magnifique puisque c'est fait surtout, voilà, c'est les arbres, on dirait un peu des arbres d'Homsi. Surtout en fait sur des images satellites, pas mal de choses qui sont faites, donc c'est évidemment pas du magnifique. Mais les véhicules par contre sont très bien faits. Voilà, on va tirer par l'arrière. Voilà. L'avion, voilà, par contre, est vraiment très bien fait. Ils sont tous plus ou moins très bien faits. Et ça, par contre, voilà, c'est vraiment bien fait. Et l'intérieur également est très bien fait. Et je précise, je suis à 70 FPS, ce qui est vraiment pas mal en plus en capture. Bon, je capture qu'à 60, mais. Ok, les pédales, alors c'est hop, voilà, pour agir sur la, et ça compte la petite roue, alors on dirait une roue folle, mais du coup vu qu'elle est guidée, elle est plus très folle, mais... Voilà, c'est ça dont je voulais vous parler tout à l'heure, qui est vraiment bien fait, c'est à chaque fois les autorisations de demande de décollage, là c'est une petite piste, du coup c'est juste alerter les avions dans l'aéroport, mais les avions à proximité, je veux dire. Ok, donc on va pouvoir décoller, on va pouvoir un peu bosser enfin. Alors vous allez voir, là ça va être à nous de jouer. Sur la manette, c'est avec Y que je vais accélérer, pour ceux qui vont choisir de jouer à la manette. Donc toujours on voit en bas à gauche, hein, commande verrouillée, c'est pas la peine de se dire ah j'ai les touches qui marchent pas, on attend que le bouton s'éteigne. On va le faire, de toute façon il va nous expliquer. Donc là, c'est lui qui gère tout pour l'instant. Là on fait un premier test, on va devoir pousser la manette des gaz, voilà, enfin un test avant le décollage, et faire gueuler le moteur. Et maintenant on peut rebaisser les gaz, donc c'est avec la touche B pour moi. Voilà, et à chaque fois il faut garder appuyé parce que... On monte un peu, ça monte un peu, on monte beaucoup, ça monte beaucoup. Donc, on va faire ce qu'il dit, on augmente légèrement les gaz, mon petit zézé. Légèrement, légèrement. Et on va se mettre plus ou moins dans l'axe de la piste. Voilà, et on va carrément bien se mettre dans l'axe, hein, parce qu'on n'est pas des sagouins. Hop. Et là, on va pouvoir accélérer. Là, plein de gaz. Non, non, j'ai fait des trucs pas bien, mais... Ok, alors ça, c'est absolument pas bien, évidemment, de faire une pointe comme ça en hauteur, mais je voulais vous montrer ça, voilà. On peut gérer, on peut faire des... Non, c'est pas une bonne idée de faire les hoopings, parce que la mission, elle est pas finie, je croyais que c'était la fin. Hop. Ouais, alors ces touches-là, elles sont un peu trop sensibles. Hop. Qu'est-ce qu'il m'a dit de me faire ? Relever légèrement le nez pour atteindre 75. Ah d'accord. Oui, forcément, quand on va essayer de monter, on va perdre de la... À chaque fois, je me trompe de bouton. Perdre de l'altitude, 75 miles par heure. Alors, on doit maintenir ça. Alors, on va rebaisser un peu le nez. Vous voyez dans Airspeed à gauche, voilà, on va essayer de se caser vers les 75. Et voilà, plus je monte, plus je ralentis, mais voilà, plus je prends de l'altitude, et plus je descends, plus je vais tout en palier à 1000 pieds. Ah d'accord, à 1000 pieds, ok, t'es cool toi. On va redescendre à 1000 pieds. Ok, bah, ils nous en demandent pas trop pour l'instant. Hein. J'étais à 2000 pieds, ça te gêne pas. Ça c'était la jauge d'en bas à gauche, ça affichait un 2 pour 2000 pieds. Apprenez à décoller et à monter, c'est magique les amis. Alors étant donné que c'est une petite vidéo quand même, on va pas s'attarder sur une autre leçon parce que je vais pas y arriver. On se retrouve maintenant en mode de vol libre les amis. On est à l'aéroport Charles de Gaulle puisque c'est l'aéroport que j'avais choisi au lancement du jeu comme mon aéroport, mon point de départ pour tout ce qu'on va faire. Tout qu'afficher. Bon, on va prendre un de ces avions.
Moi, le premier, il me plaît bien, je trouve. Je sais pas. Voilà. Moi, il me plaît bien. Alors, on va prendre celui-là, le Diamond DA42. Validé. Et alors là, on va choisir un petit aéroport. Alors, on va partir pas trop loin de chez Monsieur le Gardois, tiens. Mon petit Thomas. Alors, mon petit Toto, on va partir... quelque part par là, quoi. Y a rien que je connais, moi. Allez, on va partir de Vias en bord de mer, ça peut être sympa. Et on va aller jusqu'à... J'y connais rien. Aller jusqu'à... pas trop loin non plus. Aller juste à côté, en fait. On va aller juste ici à Larzac. Et c'est terminé. Je voudrais que ça soit le point final, mes chers amis. Alors, Larzac, arrivé. Ok, bah, c'est bon. Et du coup, enregistrer le plan... piloter n'importe quel appareil n'importe où, shift 3, d'accord, ok, bon là, des petits conseils dans le menu, ça c'est plutôt pas mal. En général, dans les jeux, c'est avec ça qu'on s'améliore. Ils peuvent nous donner toutes les indications qu'ils veulent, c'est les petits conseils dans les menus en général qui font qu'on s'améliore. Donc voilà, très sympa le système de cartes pour sélectionner les trajets qu'on veut faire, parce qu'on peut vraiment inventer le trajet que l'on veut, aller là où on veut. On peut vraiment faire n'importe quoi, moi j'ai pris la France parce que c'est vraiment, ben voilà, c'est notre pays quoi. Mais on peut vraiment faire n'importe quoi, n'importe où. Alors. On est pas mal. Est-ce que j'ai des trucs à faire ou pas? Moi, j'en sais rien, j'y connais rien. Ah ouais, là, je peux cliquer n'importe où. Les boutons, tout ça. Là, ça passe dans du plus poussé. Truc qu'on apprendra sûrement plus tard à l'école de pilotage. Mais voilà, je peux toucher pas mal de choses et faire pas mal de bêtises. Vous voyez, avec le clic droit, je peux changer des trucs. Bon, voilà. Ah, vue pilote. Ok. Je sais pas ce que ça change. Alors cockpit, je décoche vue pilote, je sais pas ce que ça change. Bon, peu importe. Ok, alors ce qu'on va faire. On va faire le petit test qu'il nous a fait faire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va actionner les freins. Et augmenter le... Faire tourner le moteur à bloc. C'est le petit test qu'il nous a fait faire tout à l'heure, alors nous, on respecte. Alors évidemment, je fais tout ce qu'il faut pas. Je suis en mode... En mode un peu n'importe quoi là. Ouais, je fais. Alors déjà, je vais essayer de remettre. Comment je remets mon. Non, je sais pas. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ok, donc, notre joystick, tout fonctionne. On est en biplace, c'est sympa. Non, il y a des places derrière même. Je sais pas. Ouais, il y a des places derrière. Bon, on pourrait se faire plaise. Ok, nous on va pas se faire plaise. On va foutre. Les gaz plein pot. C'est vraiment, voilà, vous montrer un peu maintenant un truc un peu différent, un endroit un peu différent, un vol et surtout la vue qu'on va avoir une fois dans les airs. Donc là, on va essayer de le... Pourquoi j'arrive pas à prendre assez de vitesse? D'accord, c'est un avion plus long à accélérer. On est totalement perdu, c'est évident, puisque... on est sur quand même un truc avec des systèmes totalement différents. Je suis perdu, voilà. Alors évidemment, dans l'école, tout ça, voilà, on va voir des véhicules différents, des trucs différents pour un peu s'habituer à tout. Mais voilà, c'est pour l'instant, c'est pas gagné. Et remarquez quand même que c'est vraiment super sympa. On est au paradise. Voilà, petite capture d'écran. On essaie de garder une vitesse assez constante. On monte tranquillement, comme ça, pas de soucis. La vitesse n'a pas l'air de descendre et d'être même plutôt stable. Alors je pense que c'est ce qu'on a là-bas. Je sais pas comment je peux zoomer. Je pense pas pouvoir. Du coup, je sais pas trop où aller. Alors on va grimper encore un peu. Je voudrais gagner en altitude. Voilà. Et donc voilà, on voit les villes éclairées, tout ça. C'est tout basé sur des images satellites dans l'ensemble. Alors attendez, est-ce qu'on a une vue extérieure? Appareil, angle de vue. Ouais, voilà. Alors ça fait beaucoup de bruit. Mais voilà, c'est vraiment pas... Et alors, trafic aérien. Oh là, on a plein de trucs autour, je sais pas. Oh là. Ah d'accord. J'ai changé de véhicule comme ça, moi. On était avec le... Non, pas celui-là. Trafic aérien, appareil, angle de vue. Non, voilà, je reviens à mon appareil. On a plein d'angles de vue, tout ça, plein de trucs. Voilà, on peut vraiment se faire plaisir. Petit screenshot. Alors, on va se remettre en
Vue cockpit. Console centrale, c'est absolument pas ça. Je teste les vues tant qu'on y est. Ah oui, et donc là on voit de plus près. Et alors on voit là que notre altitude varie. Notre altitude varie, alors on va reprendre un peu sans trop perdre de vitesse. Et on va se remettre tout simplement en vue pilote. Hein, on va pas faire de bêtises. Voilà. C'est un vol de nuit, j'ai pas fait attention aux paramètres qu'il y avait pour régler un vol de jour, de pas jour, tout ça. Donc de nuit et hein, de pas jour, voilà, vous comprenez. Et bon, c'est pas dramatique. Voilà, en tout cas, je trouve que c'est un jeu qui est complet et ça me surprend quand même pour cette série de jeux. Enfin, non, ça me surprend pas qu'il soit complet parce que c'est quand même, me semble-t-il, la même série que les Train Simulator, enfin, les mêmes développeurs que Train Simulator. Oui, on est développeur. Et c'est pourtant un jeu. Bon, c'est sûr, il est sorti en 2016. Il est sorti en mai 2016, le jeu. Mais je vais quand même. Parce que celui-là, il fait du bruit. Hop. Baisser un peu le son. Voilà. On revient au jeu. On se met comme ça. Le petit écran noir, voilà. C'est quand même un jeu, bon, il y a plein de fonctionnalités sur Train Simulator, c'est sûr, mais là on a énormément de fonctionnalités. On a un système d'explication vocale, tous les sous-titres sont bien traduits en français, ce qui a vraiment pas été le cas tout le temps pour les Train Simulator. Et on est voilà sur un jeu qui propose des choses déjà très très intéressantes sans qu'on ait besoin de DLC. Voilà, il y a de quoi s'amuser quand on achète le jeu, on est content. Voilà, je fais un petit screenshot. Hop, voilà, toutes mes commandes, tout ça, content. Alors, est-ce que je peux faire un petit truc comme ça, là, ou est-ce que je vais me crasher? Et dans un autre sens, ça me permettrait de voir ce qui se passe quand on se crache. On va quand même revenir assez rapidement à la normale, genre comme ça. Si ça passe. Ça passe. Vous avez vu, je l'avais calculé, les amis. C'était calculé, c'était calculé. Alors, évidemment, voilà, sûrement qu'il faut une... On va se restabiliser là parce que sûrement qu'il faut une altitude définie voilà pour faire ce genre de choses, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'y connais absolument entre rien et rien. Du coup forcément je suis en train de perdre de la vitesse. Du coup forcément voilà, c'est pas simple pour moi. Voilà. Alors sans perdre en altitude, on va se stabiliser par là. Voilà. On va peut-être même pouvoir rééquilibrer le coucou. Hop, comme ça. Ça, voilà. En tout cas, voilà, c'est un jeu bien sympa, les amis. Je vous le recommande. C'est pas évident que je vous recommande un jeu que je connais aussi peu que ça, mais moi, en tout cas, ce qui m'a vu me plaît vraiment. Ça me plaît vraiment, ça me plaît vraiment. On se refera des petites vidéos comme ça dessus occasionnellement. Je vais essayer quand même de m'en sortir un peu mieux la prochaine fois qu'on se verra. Et je sais qu'il y a un trait noir sur l'écran, mais alors ça, je sais absolument pas pourquoi. Je l'ai comme vous, mais. Je ne sais pas comment y remédier. Regardez, on a même les petits logos sur le siège, tout ça c'est vraiment bien fait, la ceinture, enfin le harnais, c'est peut-être plus qu'une ceinture. Bon, c'est juste une ceinture. Donc voilà, vraiment des choses très très sympas. Et un jeu très très sympa. Voilà. Donc, les amis, pour ceux d'ailleurs qui sont intéressés par le jeu, il est disponible chez mon partenaire Games Planet par le lien qui est dans la description, puisque c'est eux qui m'ont envoyé le jeu. À ma demande, évidemment. Et donc voilà. Je vous recommande le jeu. Maintenant, vous le procurez où vous voulez. Mais si vous voulez passer par eux, c'est évidemment très gentil. Puisque c'est après, en fonction de ça, qu'ils me permettent de faire des concours. Et d'ailleurs, ça fait longtemps. Ah, si, ça fait deux semaines. Une semaine qu'on ne s'est pas fait de concours. Donc, voilà, on verra. Un de ces quatre, on va s'en refaire un. Et peut-être dans une vidéo, une prochaine vidéo, j'essaierai de vous faire gagner une clé de ce jeu d'ailleurs. On verra ça, je sais pas trop. On a pris pas mal d'altitude là, les amis. Hein. Je sais pas si on peut se permettre un truc du genre ça là, pour terminer la vidéo. Allez, je sens que ça va partir en steak, les amis. En attendant, ah, décrochage, d'accord. On a pas réussi. C'est pas pour nous ça. Allez, je crois qu'on est au-dessus de l'océan ou un truc comme ça. Là. Je sais pas. Il y a de la terre en vue, ça va. On est sauvé. Regardez où est-ce qu'on est sur la carte juste. J'ai votre plan de vol. Ah oui, on part en steak. On part clairement en steak. Alors, on va se redresser immédiatement. Histoire de terminer quand même
Non, pas quitter le vol, non, c'est pas une bonne idée. Reprendre le vol, voilà. Donc, les amis, je vous souhaite à tous un excellent jeu. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye, à bientôt.